t'ai même pas entendu sonner. C'est ta mère qui m'a ouvert. Ah, elle te fait dire qu'elle allait faire des courses. Aïe, aïe! Je vais impressionner la gérante de la boutique. Mais donc, la dernière fois, je l'ai pas mal laissé tomber. Et moi qui pensais te trouver en larmes. J'ai décidé que c'était fini de pleurer toute la journée. Je dis pas que je suis plus jamais triste, mais ça va pas mal mieux. J'aime pas trop ça en parler, mais j'ai vu la psychologue de l'école cette semaine. Ah oui? Ça m'a fait du bien. Je me sens plus forte, on dirait. Hé, mais t'as recommencé quand? Hier soir, avec Maggie Malo. Maggie Malo? Il me semblait que c'était la guerre. J'ai pilé sur mon orgueil, puis j'ai donné un cours d'Internet en échange de temps pour mes bijoux. Ouais, t'as vraiment repris du poil de la bête. Ça fait du bien. Les médicaments? Inquiète-toi pas, Eve-Marie. Ça va vraiment mieux. Bon. Est-ce que Raphaël a appelé? Non. Oh, je t'ai tannée d'attendre son appel. J'ai ça quand tu me fais ça. Toi qui dis ça, la fille la plus en retard sur la planète. Hey, moi, c'est dans mon tempérament. Lui, il est comme un horloge d'habitude. Il n'y a pas d'affaire à me faire poireauter. Ouais. T'es pas mal princesse. Je te connaissais pas de même. Hey, si tu veux que je t'aide, t'as besoin d'être plus fine. Ben, de toute façon, Maggie s'en vient pour une autre séance d'Internet. Oups! Je resterai pas longtemps ici, moi. Hey, t'as déjà un bureau pour ta compagnie? Non, 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 c'est celui de mon chum en attendant que ça décolle. Je suis pas mal plus tranquille ici qu'à l'appartement, hein, surtout le samedi. T'es pas trop nerveux, j'espère? Oh, un peu, hein. Ça va dépendre de toi. Ah, d'après Maggie, t'as beaucoup de rythme. Si je comprends bien, tu voudrais que je fasse des démonstrations pour tes vêtements que tu vas vendre, hein? Ouais, c'est ça, puis ça va se faire dans le salon des gens ou bien sur leur terrasse. Ça te gêne pas trop? Oh, non, non. Non, ben pourrais-tu me faire quelques mouvements? Comme ça, là, là? Ben oui, faut que tu t'habitues. D'ailleurs, faudrait aussi que t'enlèves tes culottes puis ton chandail. Ou bien que je vois ce que j'engage, une collection de boxeurs. Tu vas voir, d'ailleurs, mes boxeurs sont pas mal le fun, hein? Plus original que ce qu'on voit dans les magasins. Les miens sont pas mal ordinaires, hein? Bon, ben, vas-y. Oh. C'est vrai que Maggie a su de quoi elle parle. Il y aurait juste un petit problème. Faudrait que tu travailles un peu côté musculation. Bon, pas de problème avec ça, moi. Oh. Ça répond pas. Beau couple. Ah, si, appelle, tu diras que je vais être au resto. Je t'en vais déjà. J'ai pas le goût de passer l'après-midi avec Miss Comédie Musicale. Dérange-toi pas, je vais lui ouvrir. Eve-Marie, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait. C'est vraiment précieux. Salut. Salut. J'espère que c'est pas moi qui ai fait fuir la gentille Eve-Marie. Je fais un téléphone, puis je t'attends. Ah, j'ai trouvé un nouveau site Internet sur l'Agence spatiale canadienne. Je vais te montrer ça. Il y a même une adresse pour te faire venir de la documentation. Il y aurait pas plutôt un site sur Brad Pitt? Je rêve à lui toute la nuit. Ouais, tu t'es fait aller les petits doigts? Tu vas être millionnaire avant d'avoir 20 ans, toi, hein? Madame Rossignol, c'est Stéphanie Couillard. Ça va? Je vous téléphone? Ouais, ouais, j'ai été malade, mais là, je suis en pleine forme. J'ai fait à peu près une trentaine de colliers pour vous. Comment ça? Mais c'est à moi. Puis mes colliers, Madame Rossignol, je... Bon. Merci. Je peux pas croire. C'est Noémie qui vend ses bijoux à ma boutique, Charabia. C'était mon contact. Ça m'étonne pas d'elle. Je viens de faire 30 colliers. Oh, ben, compte pas sur moi pour les acheter, hein. C'est une farce. Je vais la tuer. Non, je vais pas la tuer, je vais la crucifier pour être sûre qu'elle souffle le plus longtemps possible.
Tu voulais me voir? Non, moi qui pensais que tu voulais me remercier. T'es vraiment incroyable, hein? Mais quoi, je t'ai empêché de sortir avec un menteur, tu devrais être contente. Mais t'es la première à me jouer dans le dos. Je viens d'appeler la gérante de la boutique Charabia. Comment tu peux être aussi malhonnête? Là, wow, là, c'est elle qui m'a relancé chez moi. Elle dit que tu retournais jamais ses appels. T'as pas demandé pourquoi? T'as pas pensé que tu venais de me voler mon chum, que j'avais peut-être un petit peu de peine, tu sais? Les cartes, là. Évidemment. C'était mon contact. T'avais pas d'affaire à me le voler. Les bijoux, c'était mon idée. Sans moi, t'aurais jamais pensé les vendre. Ben, crime, j'ai payé pour. Les bijoux que tu faisais étaient moins beaux que ceux que je créais, tu sais. Bon, laisse faire. Tout ce que je regrette, Noémie, c'est de t'avoir fait confiance parce que tu me fais tellement pitié. Nos beautés. Oh, choqué? Tu m'avais dit que tu m'appellerais vers 10h30. Tu veux pas savoir ce qui s'est passé. Mais Marie, hey, s'il fallait que je me choque, à toutes les fois que tu respectes pas tes rendez-vous, là. Quoi, c'est vrai? On parle pas juste des retards, là. Tu vas encore m'approcher l'histoire de Mireille, là. Demande-moi donc pourquoi je t'en retarde au lieu de me faire un autre sein, hein? Ah oui, pourquoi? Ton chum va devenir mannequin. Quoi? Quoi, tu ris? Toi, mannequin! Mais c'est pas ton genre, me semble. C'est vrai que j'ai déjà été comédien. Je le sais, là. Mais comédien puis mannequin, c'est pas du tout la même chose. Quoi? Tu pensais beau, je suppose? Mais voyons, Raphaël, tu sais bien que c'est pas ça. C'est juste que... mannequin! Quoi, mannequin? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas correct? C'est pas ton affaire? Je pense que je suis mieux de m'en aller. Oh, Raphaël! Je laisse parler. Ça m'intéresse vraiment. Allez, parle. Je suis dans la biographie des astronautes. Il y en a un cute, Steph. Penses-tu qu'on pourrait y envoyer un petit mot par courrier électronique? Tu t'attendais quand même pas à ce que Noémie te fasse de cadeau? Elle a tout ce qu'elle veut, la petite garce. Elle me vole mon chum, elle me vole mon commerce. Je te jure, il n'y a pas de justice sur la terre. Ouais. C'est pas drôle, mais il y a pire. Pense à Chloé. Merci beaucoup pour ta grande compassion, Maggie. Surtout, faut que je continue de me sentir coupable, hein? C'est pas ça que je veux dire. Mais t'en fais trop de con, Noémie. Sors-la de ta vie une fois pour toutes. Steph, c'est le temps, là, de prouver que t'es meilleure qu'elle. Mais regarde, pourquoi tu vas pas voir mon amie Angélique? Elle va commencer à faire des démonstrations de vêtements. Puis je pense même qu'elle a rencontré Raphaël pour qu'il soit mannequin. Mm-hmm. Peut-être qu'elle pourrait cliquer sur ce que tu fais. Bijoux, vêtements, ça peut aller ensemble. Mm. Tu penses qu'elle aimerait mes bijoux? Non, ben là, si t'essayes pas, tu le sauras pas. Mais tu l'appelles? Pourquoi pas? Super. Tu vas commencer à t'entraîner au gym pour ces parades de mode? Mais elle peut pas te demander ça. Pourquoi pas? Tout le monde s'entraîne. Ben, pas moi. Je parle en général. Angélique te demanderait de te jeter au bout du quai puis tu le ferais. Tu veux pas que je sois plus beau? Je sors pas avec toi pour tes muscles. Moi, la musculation, je trouve ça super superficiel. Ben, voyons donc! Hey! Regarde les gars dans les photos de pub, là, hein? Ils sont super bien faites. Tu trouves pas ça beau? Moi, je trouve ça cool. Hey, tu veux savoir franchement? Je trouve ça prétentieux pis vite. Pas du tout. Hein? Pis oublie pas que je le fais parce que ça va me rapporter de l'argent, t'sais. 30$ par soirée. Pas rien. À faire le petit chien savant, Bobette. Sans compter ce que ça va te coûter pour le gym. Coûte pas trop cher au centre communautaire. Hey, quand je pense que tu me reprochais d'être jamais disponible quand je faisais de la télé avec Mireille, ça va être beau si tu passes tes soirées au gym? Je suis pas là tous les jours, là. Oh non. Tu veux pas? J'ai pas dit ça. Tu te vois pas à la face? Et Eve-Marie, je te reconnais plus. Faut que j'aille, Steph, maintenant. Stéphanie? Ah, oui. Salut. C'est merci de me recevoir. Salut, salut. Ben, Maggie m'a dit que tu voulais me montrer des bijoux. Oui, c'est moi qui en fais la conception et la création. Merci.
Et puis, c'est des petits bijoux simples, hein? Mais j'ai quand même eu un certain succès à la boutique Charabia sur... Oui, oui. Et puis, j'ai pensé qu'avec tes vêtements, ben, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Tu veux les voir? Ben, je peux toujours regarder, oui. Voilà. Ah, des colliers de billes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ça, c'est des colliers, mais je fais aussi des bracelets et j'en fais pour les chevilles. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je trouve ça mignon, mais je t'avoue que je trouve ça fait un petit peu amateur. Ah, c'est sûr que je commence, là, mais regarde celui-là. Puis comme je t'ai dit, la boutique Charabia en a vendu plusieurs. Oui, mais moi, vois-tu, j'achète jamais à la boutique Charabia parce que j'aime pas ce qu'ils font. Ah, ben, tous les goûts sont dans la nature. Je suis vraiment désolée, hein. Si jamais t'as autre chose... Qu'est-ce que tu chercherais? Moi, en fait, je cherche rien. Mais si... Ben, je pourrais te donner mon catalogue si jamais ça te donne des idées. C'est une idée géniale. C'est quand même. Bonne chance, hein, pour tes bijoux. Entrez! Steph est pas là. T'en reviens quand? Bientôt, j'imagine, elle avait un rendez-vous. Elle est pas avec Yannick? Non, non. Non, je l'ai envoyée voir mon amie Angélique pour essayer de vendre ses bijoux, quand on peut aider. C'est une bonne amie à toi, Angélique? Oui, pourquoi? Ah, oh, ça fait plusieurs fois que j'entends parler d'elle. Est-ce qu'elle a une amie? Pour ça. Elle sort avec une vraie tache, Guy Lebeau. Ouais, et il doit être musclé, j'imagine. Bof. Tout donc, c'est quoi l'enquête, là? J'enquête pas. Je veux seulement m'assurer que Raphaël est pas en train de se faire avoir. Ah, c'est ça! Ben quoi? Elle veut que Raphaël devienne un Arnold Bulldozer pour vendre ses boxeurs, puis lui, il est d'accord. Ben, un peu de muscle, ça y fera pas de tort à ton danseur de rap. Franchement, Maggie, y a pas juste le corps qui compte. La beauté intérieure, c'est important. Ben, quant à moi, là, l'équilibre des deux, c'est encore mieux. Toi, t'as dû lire ça dans un livre, je suppose. Oh. Hey, si t'as peur de le perdre, là, ton beau Raphaël, t'as juste allé t'entraîner avec lui? Hey, j'ai pas peur de le perdre. Ben, arrête de stresser, d'abord. Oh, tu y diras à Steph que je passais. Ben, ouais. La beauté intérieure. Elle est bonne. Bon. Elle avait son petit sourire en coin. Je peux pas croire que tu vas travailler avec elle, Raphaël. Mais quoi, ça se peut qu'elle les aime pas, tes bijoux? Mais là, elle m'a carrément dit que je faisais amateur avec son petit air condescendant. J'ai pas arrêté, moi, d'avoir des beaux compliments de la boutique Charabia. Tu dis rien? Tu le sais que c'est vrai? Qu'est-ce que je dis? Mais comment t'es trop, toi, les bijoux? Dis-leur ce que tu penses. Je suis capable d'en prendre. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était des bijoux pour enfants. Des bijoux pour enfants? Tu me demandes la vérité. Mais tu connais rien. C'est toi qui es condescendante, Steph. Dans la vie, il faut savoir prendre des conseils. T'sais. Je comprends, Angélique, de ne pas avoir trippé sur tes bijoux. Elle veut une idée originale. Elle est professionnelle, elle. Elle n'a pas de cadeau à te faire. Faut que je recommence mes bijoux. Ta grande amie Angélique m'a dit que j'étais pourrie. Pourquoi tu m'as envoyé la voir? Tu fais un marché avec Noémie? Non, oh, franchement, Steph, c'est pas la fin du monde. Puis c'est à toi de vendre une meilleure idée. C'est ça, faire de la business. Hey, sur Internet, j'ai vu qu'on pouvait faire des pages web. Serais-tu capable de m'en faire une? La page Maggie Malo. Je serais même capable de te donner des sous, si tu veux. Si j'avais un meilleur logiciel, je pourrais peut-être. De toute façon, là, j'ai pas le temps. Bon. Mais moi, faut que j'y aille. J'ai un cours de danse. Merci encore, hein. Puis capote pas avec ça, là. Avoir l'air enragé, ça donne des rides. Salut! Jusqu'ici? Je voulais m'excuser. Pas ton genre. Si tu pouvais m'enlever deux jambes, tu le ferais. Bon, c'est vrai que j'étais plate pour la boutique Charabia. Là. Mm.
Tu sais, je veux pas être bitch avec toi ou rien. On devrait recommencer comme avant. Pardon, le mal est déjà fait, Noémie. Mais si je te montre mes nouveaux modèles, tu m'aideras à les faire, puis on séparerait moitié-moitié, comme avant. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai déjà autre chose. C'est top secret. C'est une bien grosse affaire. Raphaël, il faut qu'on se parle. Hey, si c'est pour me dire que je suis trop superficielle, là. Viens. Tu sais que j'aime pas ça que tu me dises quoi faire. On dirait que tu prends pour mon père. On dirait que t'aimes pas ça quand j'ai du pop. Je suis pas plate, moi. J'aime ça bouger, j'aime ça danser. Tu me trouves plate? J'ai pas dit ça. Mais t'es plus comme avant. T'es tellement sérieuse. Puis en passant, je suis pas superficielle. J'ai dit que passer ces soirées à se pomper les muscles, je trouvais ça superficiel. C'est pas pareil. Évidemment, c'est pas comme faire de la télé communautaire. Mais la télé, c'est un peu plus instructif, tu peux pas dire le contraire. Toi, c'est ça le problème. Il y a juste des critères qui sont bons. On est tellement différents des fois, là. Des fois quoi? Je pense que je suis mieux d'aller prendre l'air. Tu sais, t'avais raison pour les bijoux. J'aurais jamais dû venir te montrer ça. Je voulais pas t'insulter non plus. Mais voyons, c'est juste que je savais pas que t'étais professionnelle. Parce qu'avoir su, je t'aurais fait une bien meilleure proposition. Écoute, je sais pas ce que Maggie t'a raconté, mais je me cherche personne, hein? Mais c'est parce que tu me connais pas. Ah oui? Oui. Parce qu'après notre rencontre tout à l'heure, j'ai réfléchi. Premièrement, ton catalogue, là, il est très, très beau. Mais je me demandais comment t'allais faire pour rejoindre les gens puis tes démonstrations. Mais ça, c'est sûr que c'est ardu parce qu'il faut que je les rejoigne un par un, puis je compte un peu sur le bouche-à-oreille. Bon, ben tu vois, c'est là que j'entre en jeu. Je suis super bonne en informatique. Ben, je vois pas trop le rapport. De toute façon, moi, en informatique, je connais rien. Ben, moi, oui. Pour rejoindre les gens, le plus de monde possible pour tes démonstrations, on va pouvoir utiliser le courrier électronique. Ça, c'est beaucoup plus vite et beaucoup moins cher que le courrier ordinaire. Et puis, pour ta compagnie, j'ai pensé que peut-être qu'on pourrait te faire une super belle page web avec les plus belles photos de ton catalogue, les dates de tes démonstrations. Ça peut être bien varié, tu sais. Ah ouais, tu peux faire ça, toi. Ben, je commence, ouais. J'ai longtemps été une bolée à l'école, faut bien que ça serve à quelque chose. Ouais, mais c'est trop vite, là. Moi aussi, je commence à peine, hein? Peut-être un peu plus tard? La compétition est féroce. Je peux t'en dire quelque chose. Non, non, c'est trop vite. De toute façon, j'ai même pas d'argent à mettre là-dedans, quand même que tu me demanderais pas cher. Bon. Je suis vraiment désolée. Ah. Ben, bonne chance, hein? J'imagine que tout ce que t'écris, c'est contre moi. Quand t'es là? J'ai pas été capable de souper. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est toi qui es parti, hein? Avec ce que tu me dis, je sais plus. Peut-être que je suis trop plate pour toi. Je t'aime, Evelyne. Oh, moi aussi. Mais comment ça se fait qu'on s'obstine tout le temps? Avant, c'était pas comme ça. C'est vrai qu'on est différents, mais... J'ai comme une grosse boule dans le ventre en pensant que je pourrais te perdre. OK, si je te promets que je m'entraînerai pas plus que 3 fois par semaine. Comme ça, je viendrai pas trop musclé puis pas trop superficiel non plus. Je veux pas t'empêcher de vivre non plus. Non, non. 3 fois par semaine, ça serait parfait. Comme ça, le reste du temps, on continuerait d'être ensemble. Puis le reste du temps, je pourrais essayer d'être moins plate.
Change pas trop. J'aimerais pas ça. Tu vas voir. Tu vas me trouver encore plus beau. Salut Noémie, c'est Stéphanie. Ça va? Je te téléphone parce que je voulais te dire qu'à l'avenir, j'aimerais mieux. Attends une minute, ça sonne. Salut! Salut! J'ai essayé d'appeler avant, mais c'était toujours occupé. J'étais sur Internet. Oh, je te dérange? Non, non, non. Mais c'est parce que j'arrête pas de penser à ta proposition de tantôt, puis j'aimerais ça que tu me montres de quoi ça pourrait avoir l'air. Pour vrai? Ouais, j'ai pas plus d'argent, mais on pourrait voir. Entre, je finis un téléphone, puis je t'attends. Oui, Noémie. Excuse-moi. Tout ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pas bien aimé ça, hein, que tu viennes chez nous ce midi. Ouais, j'aimerais mieux qu'on se voit plus. OK, OK. Je voulais que ce soit clair, c'est tout. Bye-bye. Je suis en train de préparer une page web pour Maggie. La folle, elle m'a demandé ça. Maggie veut avoir une page? Ce sera rien de bien compliqué parce que j'ai pas encore le logiciel qu'il me faut. Mais pour toi, par exemple, on va aller voir des super beaux sites de compagnie. Ça va pouvoir te donner une bonne idée de ce qu'on peut faire pour toi.